Wesh mes biches, bien au coup la patate, la bouillabaisse jusqu'au sourcil. Aujourd'hui toute une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Obscur Clan. Et c'est moi le petit NFG qui suis chargé de vous finir la semaine en beauté les amis. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire en beauté? Ben si tu comprends pas, tu regardes le gameplay et tu vas réellement comprendre c'est quoi la beauté ma biche. En tout cas voilà, je te le dis mon pote, j'espère réellement que tu vas super bien. Moi je suis au taquet, à chaque fois que je passe sur la chaîne de l'Obscur, je suis comme un gamin. Un grand bébé, je suis dans l'âme, j'adore vous voir, j'adore parler, lire vos commentaires, je lis tous vos commentaires. Et franchement, vous me faites rêver, vous me vendez du rêve, les amis. Maintenant, c'est à mon tour de vendre du rêve. Et pour finir ce petit week-end, en ce dimanche 10 janvier, eh ben, on a décidé avec l'Obscur de finir le week-end en beauté. Un petit feu d'artifice pour vos yeux. Puisqu'on se retrouve tout simplement sur du Call of Duty Black Ops 2. Un petit retour aux sources, ça fait réellement plaisir, on dit pas non. Parce que Black Ops 3, c'est un bon Call of, on est d'accord. Mais au bout d'un moment, gros, tu satures. Black Ops 3, ça va un mois, mais au bout de deux mois, gros, j'en peux plus. Du coup, on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2. Avec le joueur Croque ton père qui va tout simplement nous réaliser un petit world record, une nucléaire 145 gun streak en flawless, c'est-à-dire 100 kill streak mon pote, avec sa grosse paire de couilles. Et clairement il y allait, AN94 en main, multi-équipe en point stratégique sur Injaked, il a tout cassé, il a carré la game le chip. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, en même temps qu'il est sur l'Obscur Clan, tu t'attendais pas à avoir une performance de bas level mon pote. Bien sûr que non, on se retrouve simplement pour un world record. Et aujourd'hui, pour mon petit commentary, parce que tu vois un gameplay comme ça, il faut l'accompagner. Il faut le vêtir de sa plus belle tenue ce gameplay mon pote. Et bon, on va se retrouver pour un petit commentary un peu particulier. Un petit top 10 des armes de Black Ops 3 en Lego. Mon petit Fufu m'a dit fais-toi plaisir, tu nous commandes ce petit gameplay avec un petit commentary top 10. Et il m'a donné cette idée. J'allais un petit peu taper sur Google et franchement, il y a des mecs avec des grosses paires de couilles qui ont fait des reconstitutions d'armes magnifiques mon pote. On va directement commencer à la 10ème place avec la Vector. Là mon pote, tu peux voir l'image. Franchement, une petite mitraillette, on commence le classement en mode tranquille. Mais franchement, on peut voir que les couleurs, les éléments, le chargeur, le viseur, même la crosse, tout y est et c'est super bien reproduit. À la 9ème place, oh voilà, on monte un petit peu dans le classement. Un petit gun fort utilisé par les joueurs alias faux sniper, l'arme favori des grosses merdes, j'ai nommé le B23R. Mais sûr, je rigole mon pote, tu peux jouer au B23R, tu fais ce que tu veux ma biche. Et là franchement je suis là, ça commence vraiment à rentrer tu vois. Moi je suis choqué de voir que le mec, et là je commence à être choqué. Tu vois, au Lego près, le type a reproduit exactement le B23R. Le canon, le viseur, il y a tout qui est, même les couleurs y sont. Et là je commence à me dire vraiment les mecs qui sont chauds du sgeg mon pote. 8ème place, on continue de monter dans le classement avec la Peacekeeper mon pote. Et alors là, regarde-moi cette Peacekeeper. C'est exactement l'arme de Black Ops 2. Même la petite inscription bleue sur le côté de l'arme y est. Reproduction parfaite. 7ème place avec une petite arme du zombie. Cette fois-ci, sur la map Buried, on a tous connu le Remington. Et ben le voici en Lego. Très belle reproduction, voilà. J'ai vraiment kiffé le style simpliste de cette arme. Reproduction parfaite avec la petite gâchette du Remington qui tourne. Ce genre de passe-temps, ça doit prendre un temps fou pour reproduire l'arme comme ça. Mais le résultat est juste magnifique. À la 6ème place, on se prend une petite Hellsat, la machine gun ma biche. Et la grosse reproduction. Clairement je sais pas comment le type a fait pour même réussir à mettre les douilles de balles. Mais une grosse reproduction à l'identique. Pareil le viseur, les couleurs, il y a tout qui est. Autant de Lego sur une arme, ça doit commencer à peser son pesant d'or ma biche. Mais en tout cas très très belle reproduction. On se retrouve directement à la 5ème place. On a la moitié du classement avec la petite Scarache ma biche. Et alors là, là ça commence vraiment à rentrer dans du lourd. L'arme elle est parfaite. La Scarache c'est une arme avec pas mal de détails. Et on peut voir que tous les aimants y sont. Il a même rajouté la petite poignée, etc. Le chargeur qui différencie, non, franchement, un travail de fou. Et il a même fait le petit viseur rond de la Scarache. Vraiment rien à dire sur cette arme. 4ème place ma biche, alors là je suis resté bouche bée. L'achat MR de Black Ops 2 mon pote, regarde-moi cette arme. C'est exactement celle du jeu. Quand j'ai vu cette arme, je me suis dit mais c'est impressionnant quoi. Et dis-toi qu'on est que à la 4ème place mon pote. Même le petit viseur à coque, y a rien à dire, c'est parfait, reproduction de fou. On enchaîne avec la 3ème place et avec la petite PDW57 mon pote. On l'a tous connu au début de Black Ops 2, une tuerie cette arme. Et alors là, regardez-moi ça, le type a même réalisé le chargeur. Et j'ai décidé de prendre et de mettre cette arme en 3ème position parce qu'on voit bien le chargeur.
qui est pas calé sur l'arme. Il a même créé le mouvement du chargeur de l'arme. Alors ça devient vraiment de la reproduction minutieuse, parce qu'on peut même recharger l'arme. Non, j'ai vraiment rien à dire. On monte dans le classement et là on rentre dans mon élément, ma biche, le zombie avec le pistolet laser de le Raygun 2, ma biche. Et là regarde-moi ça. Je vais pas commenter, l'arme parle d'elle-même. Elle est juste magnifique, on est d'accord. Les couleurs sont parfaites, c'est exactement le Raygun. Même les petites espèces d'antennes qu'il y a sur l'arme, il les a reproduites. En tout cas, moi je suis juste fan. Je suis fan, mon gars, tu veux que je dise quoi? Rien à dire. Et on passe directement à la première place. Alors cette arme-là, c'est mon coup de cœur, j'ai rien à dire. Elle est juste parfaite. On se retrouve encore une fois en zombie pour cette arme sur la map Mob of the Dead. L'arme secrète de la map que l'on peut construire ou avoir dans la boîte. Et il a même reproduit l'amélioration avec l'acid gun. Et là ça devient du gros, du lourd. L'arme elle est parfaite, elle est exactement comme ça dans le jeu. Il y a même une petite vidéo où il montre le mouvement avec l'arme et tout. Rien à dire, c'est un travail titanesque ce truc. Et franchement moi j'ai du respect pour ce genre de personnes. J'ai vraiment du respect parce que c'est des grosses passions. Et c'est une reproduction parfaite qu'ils nous ont fait là. La vidéo arrive à son terme. J'espère réellement que le petit gameplay t'a fait plaisir en fait. Si je peux dire petit gameplay, ça reste quand même un world record. Que mon petit commentary a bien accompagné le gameplay et que tu as passé tout simplement un bon petit moment en ma compagnie. Mais si c'est le cas, je vais t'inviter à lâcher un gros like tout simplement pour soutenir l'Obscur Clan. N'hésite pas également à commenter, ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. À t'abonner à la Obscur Clan si ce n'est pas déjà fait. Puis moi je vous dis ciao les gars, c'est Nofrags. Allez kiss. Tough love, I was giving you enough to ask me. Good luck trying to get the one up on me.